Chris, j'ai Dantec, nous sommes dans une bibliothèque. Ma première question, quel est le rôle du livre et de la bibliothèque dans votre œuvre? Encore une fois, dans Métacortex, le livre a un rôle essentiel, la bibliothèque aussi. Et ce n'est pas nouveau, puisque dès votre nouvelle Là où tombent les anges, la bibliothèque avait un rôle fondamental. C'est presque un personnage récurrent dans votre œuvre. Quel est le sens exactement? En fait, la question du sens est peut-être pas encore résolue, mais la question de la forme s'est imposée un peu d'elle-même, même bizarrement dans La Sirène Rouge, puisque il y a une forme invertie de bibliothèque dans l'espèce de collection de snuff movies que possède la mère d'Alice. Et petit à petit, ça s'est imposé effectivement comme une figure récurrente. Pourquoi? Parce que m'a toujours semblé qu'une bibliothèque, c'était comme un arsenal. C'est quelque chose qui appartient, oui, pratiquement à l'ordre de la, j'allais dire, du warfare psychique. Les livres sont en rapport les uns avec les autres. Des fois, ils font la guerre entre eux. Mais des fois, ils forment des configurations qui prennent le monde, j'allais dire, à bras le corps. Et à ce moment-là, ça devient autre chose qu'une simple collection de livres. Ça devient une arme. Ça devient le nexus du verbe. Bon, peut-être pas avec un grand V, mais comme une approche, comme une tentative de restituer quelque chose de... Il y a quelque chose, bizarrement, il y a une forme de vie supranaturelle, dans une bibliothèque. Parce que aucun auteur n'est... À partir du moment où il est là avec les autres, c'est pas vraiment une nécropole. C'est ça qui différencie justement, une vraie bibliothèque d'un panthéon, quoi. Où on a enterré les auteurs, entre guillemets. C'est pas les auteurs qui comptent, c'est ce qu'ils ont imprimé. C'est leur esprit qui vit encore. Voilà, c'est ça. Et bon, malgré tout, on peut dire qu'ils sont là comme des fantômes, ce qui rejoint le thème de Métacortex, mais c'est des fantômes qui me semblent parfois plus réels que les gens qui prétendent exister, quoi. Est-ce que, c'est une hypothèse, est-ce que le livre du monde, le Liber Mundi, votre trilogie, ne s'inscrirait pas, n'aurait pas un lien précisément avec ce rôle-là du livre? Parce que c'est le livre du monde que vous êtes en train d'écrire. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre le rôle de la bibliothèque comme personnage et l'idée même de Liber Mundi? Oui, c'est ça qui est apparu dès Villa Vortex. C'est l'importance à la fois de la bibliothèque du personnage qui s'appelle Wolfman, et puis l'importance du manuscrit presque central, j'allais dire pivotal, du manuscrit trouvé à Sarajevo. Donc j'ai bien senti que, au départ, quand j'ai fait ce roman, moi je voyais absolument pas un cycle. Je pensais que c'était un roman comme les autres, enfin, quoi qu'on y reviendra, mais je pensais quand même que ce roman-là, bizarrement, allait se clôturer sur lui-même. Et puis, au fil et à mesure de l'écriture, je me suis dit non, en fait, c'est en train de s'ouvrir sur d'autres dimensions, mais je ne les connais pas encore. C'est l'époque de Villa Vortex, j'étais encore entre deux eaux, peut-être, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, quoi. Donc, c'est un roman qui se situe encore en France, etc. J'allais pas dire qu'il a les yeux tournés vers le passé, mais j'allais dire, comme on dit aujourd'hui, le lieu de mémoire n'est pas le même. Alors que dans Métacortex, la mémoire se fait aussi par-dessus l'Atlantique jusqu'en Europe, mais pour d'autres raisons, sur une autre époque. Savez-vous où sera le troisième lieu de mémoire? Oui. Dans la mémoire. Dans la mémoire. Précisément. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la trilogie elle-même était à l'image peut-être de chacun des livres en forme de cercle concentrique. Donc à chaque... Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que, honnêtement, c'est jamais vraiment calculé chez moi, le rapport sens-forme. Mais il s'installe dans la narration, c'est comme une pression à laquelle je ne peux pas résister. Enfin, on en parlera j'imagine, sur Métacortex, pour les cercles concentriques souterrains et tout. Mais la structure du roman, après coup, je me suis rendu compte que, tiens, elle s'orientait sur ce plan, elle aussi. Mais c'était pas voulu au départ.
Et la structure de la trilogie fait de même. Alors, il y a comme tout un tas d'emboîtements, d'enchâssements, sans forme, mais qui ne sont pas calculés. Enfin, qui ne sont pas calculés par le jeu. Justement, pour peut-être situer un petit peu la Liber Mundi et ses deux premiers volumes dans votre œuvre, qu'est-ce qui en fait la singularité? Qu'est-ce qui distingue cette entreprise du livre-monde des autres livres que vous avez écrits? Peut-être que justement, enfin, en tout cas, à partir du moment où j'étais, j'allais dire, à peu près au milieu de Villa Vortex, et que l'idée s'est dégagée, j'allais dire que c'était probablement un échangeur, enfin, vous voyez, un nexus, quelque chose qui allait aboutir à d'autres choses. À la différence des autres livres, bizarrement, dans les autres livres, les cycles se sont toujours construits après coup. Dans La Sirène Rouge, bon, j'invente un personnage qui s'appelle Hugo Cornelius Turop, bon. On va pas revenir sur son background, etc. On va dire que c'est plutôt un soldat, mais c'est un soldat lettré. Ça aussi, c'est tout de suite. Je me suis rendu compte qu'après, là aussi, si vous voulez, c'est que je pouvais pas en faire un Vin Diesel, quoi. C'était pas possible. Donc, et puis après, j'écris Les Racines du Mal. Et là-dedans, c'est le docteur Darcandier qui fait son apparition. Et puis après, bon, on va dire une période un peu d'instabilité, etc. J'aboutis à Babylon Babies, et où là aussi, c'est pas calculé, mais soudainement la collision entre les deux personnages se fait nécessaire. Pourquoi? J'en sais rien. Je veux dire, bon, l'homme de l'action, j'allais dire le partisan au sens de Carl Schmitt d'une certaine manière d'un côté, et puis l'apprenti sorcier technoscientifique, mais en même temps. Bon, voilà quoi, il fallait. Je ne sais pas pourquoi là aussi. Donc, comme dit Deleuze souvent sur un. Enfin, comme dit Deleuze, j'allais dire, les plans surgissent après coup. Et ça, c'est la différence peut-être avec Liber Mundi, où c'est le seul, j'allais dire, le seul ensemble narratif, hein, le seul ensemble fictionnel, où à chaque fois, quand même, je vois à peu près où je m'en vais avant. Alors, je pense que c'est ça la différence. Alors, pourquoi 10 ans quasiment entre Villa Vortex et Métacortex? C'est plutôt 7, je crois, non? Ouais, Oui. remarque, oui, bon. Mais là c'est pareil. Peut-être que pour Métacortex, tel qu'il s'est, j'allais dire, tel qu'il s'est configuré, il fallait vraiment que je sois devenu cet écrivain nord-américain de langue française. Que je prétendais peut-être être un peu trop tôt, enfin peu importe. Et je crois que cette déterritorialisation, enracinement, réenracinement, n'est pas survenue avant, on va dire, 2008 ou 2007, 2008, moment où je me suis mis à écrire le roman. Où là, j'ai pu, je sais pas pourquoi, mais aussi c'est pareil, j'ai pu soudainement écrire de manière. J'aime pas le terme, mais profonde, c'est-à-dire, mais au sens physique, si tu veux, de l'Amérique, bon, canadienne en plus, avec ses particularités, auxquelles je tenais, parce que je crois aux singularités, et je pense que le Canada, c'est pas les États-Unis, mais bon, c'est l'Amérique du Nord. Et il fallait qu'il y ait ce mouvement pour que ce roman puisse naître. Qu'est-ce qui fait l'écrivain nord-américain dans langue française? Qu'est-ce qui le distingue de l'écrivain français? Bah, par exemple, si tu veux, est-ce que tu peux t'intéresser, on va dire, à la civilisation nord-américaine si tu ne t'intéresses pas aux automobiles? Si tu ne t'intéresses pas aux armes à feu? Si tu ne t'intéresses pas, j'allais dire, à la culture élémentaire de tout nord-américain? Si tu veux, qui est dit. C'est comme ça. C'est pas le même monde. Ça, il faut que les Européens, même si je suis plutôt, si tu veux, pour, tu vois, une configuration qui pourrait réunir tous les peuples d'identité européenne, etc. et tout, mais en même temps, on est obligé de convenir de cette singularité. L'Amérique s'est faite en, bon, allez, on va dire en même pas 3 siècles, ok? Elle est basée, c'est vrai, sur une forme de nomadisme intérieur. Les gens sont très mobiles. C'est une civilisation qui a d'abord connu le cheval, la Bible et le fusil. Et c'est resté vrai.
Cette trame de l'enracinement me paraît extrêmement importante dans votre œuvre quand vous parliez de votre devenir nord-américain à partir de 2007-2008 environ, au moment de l'écriture de Metacortex. J'ai envie de vous interroger sur Babylon Babies, qui était à mon avis déjà 10 ans avant une première tentative en tout cas de poser un pied sur le continent nord-américain. Du coup, j'ai l'impression que votre œuvre évolue. On reviendra encore une fois sur la figure du cercle concentrique, mais elle creuse le même sillon. C'est-à-dire, à l'intérieur de Libermundi, Metacortex me paraît plus comme une sorte de réécriture de Villa Vortex qu'une suite au sens classique. Oui, d'ailleurs, il y a eu un peu confusion à ce niveau-là. Les gens ont cru que... Bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile à vendre, j'allais dire, ce type de choses, mais en fait, c'est vrai que Metacortex n'est pas une suite de Villa Vortex. C'est que Libermundi 2 est une suite de Libermundi 1. Ça, par contre, c'est vrai, mais les deux romans n'ont strictement rien à voir parce que l'idée de cette suite, entre guillemets, c'était pas de faire une suite dans laquelle les personnages récurrents sont les êtres humains, c'est les personnages récurrents sont justement ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire, on va dire, soit des concepts comme la police, dans tous les sens du terme, donc police en grec, police, pimpon, pimpon, et politica, politique. C'est pas des êtres humains en soi. L'urbanisation, les problèmes de géographie, géométrie, carte, territoire, la maison. Donc ça, c'était des dispositifs récurrents. Donc, enfin, que je voulais comme tel, mais justement, c'est pas une suite, c'est plutôt, on pourrait appeler ça plutôt une reprise. Alors oui, tu disais réécriture, ouais, d'une certaine manière, oui, mais en même temps, ce serait aussi un peu peut-être plonger le lecteur. C'est pas une réécriture de Villa Vortex au sens formel, mais oui, c'est une réécriture des mêmes thématiques. Sauf qu'elles sont transposées, on va dire, dans un futur proche et un passé très proche, selon moi, et ailleurs, c'est-à-dire au Canada, plutôt qu'en France. Une réécriture métaphorique ou allégorique. Oui, voilà, allégorique, oui. Mais chaque livre est un peu peut-être la réécriture allégorique de l'autre. Il est possible aussi que cette trilogie forme plutôt une boucle que un dispositif linéaire, au bout du compte, je ne sais pas, a priori, mais... Je me dis que c'est une éventualité. En rapport avec l'enracinement dont on vient de parler, l'inscription territoriale est omniprésente, sinon obsessionnelle dans votre œuvre. Et elle tend à une sorte de schématisation de l'espace, particulièrement dans Libermundi. Pourquoi cette obsession du territoire et de la carte, de sa représentation ? J'ai toujours été intéressé par la relation justement qu'il pouvait y avoir entre le symbolique et le concret, et donc inévitablement entre la carte et le territoire. Et je me souviens de quelques lectures de jeunesse comme Van Vogt, qui reprenait le philosophe Korzybski, qui disait que la carte n'était pas le territoire. Et qu'effectivement, il fallait opérer cette disjonction, même dans la littérature. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est apparu effectivement comme un motif obsessionnel. Qu'est-ce qui se passe dans un espace quand il devient un simulacre, par exemple? Quand il ne devient plus qu'un amas d'objets? Au lieu d'être un ensemble de relations. C'était évidemment lié aussi à, disons, mon rapport complexe avec la technique. Ça avait aussi un rapport avec, disons, des structures, des modèles, des patterns.
qui modèle d'une certaine manière, en particulier dans Liber Mundi, qui modèle la narration, comme d'ailleurs le contenu, entre guillemets, de cette narration. On peut même, plus qu'une figure, parler quasiment de thème central. Il s'agit, le roman est une sorte de mise en espace de ce rapport au symbolique. Oui. Et l'espace a une, on parlait de sillon, l'espace a une forme circulaire, il est toujours centré, et la narration raconte la recherche d'un centre du monde. Oui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose effectivement de, on va dire, de l'ordre de la spirale, un peu comme un disque. Un disque de vinyle, j'entends, de la vieille époque, dans lequel effectivement il y a un seul sillon, mais qui n'est jamais à la même place, qui orbite d'une certaine manière, ça dépend comment on le voit, mais en descendant ou en mode ascensionnel, à partir d'un centre. Mais un centre qui n'est pas, un centre qui bizarrement n'est pas stable non plus. C'est quelque chose qui est aussi une recherche. Ce centre, il est constamment, j'allais dire, il est constamment un horizon, bizarrement. Et j'allais dire, comme dans les espaces mathématiques de Riemann, par exemple, le centre est en fait périphérique, voire extra-périphérique. On se retrouve dans des paradoxes comme ça souvent dans mes romans, mais j'allais dire, j'y suis pour rien, parce qu'il me semble que, j'allais dire, d'une certaine manière, en tout cas dans Liber Mundi, c'est vrai, ça non plus, ça n'a pas été vraiment voulu, mais j'allais dire, mes romans sont des processus analogiques, au sens où ils ont la forme du phénomène qu'ils enregistrent. Alors que, j'allais dire, on est peut-être passé à une ère de la littérature digitale, où il n'y a plus que du, entre guillemets, codage, de représentation, etc. Et là, effectivement, c'est plus comme un sismographe, par exemple, ou un électroencéphalo. Il suit réellement la courbe, quoi, des événements, et la forme et le sens, du coup, deviennent corrélés. Et en même temps, le centre est un abîme, et le roman est une sorte de mise en abîme. Ça ouvre sur un néant. L'épicentre du monde est un néant. Oui, un néant, mais en même temps... dans la Genèse, il est quand même bien expliqué que c'est à partir du néant que Dieu a créé le monde. Donc, là aussi, les problématiques, j'allais dire, parmi les problématiques que soulèvent, je pense, mes bouquins, mais... Là encore, c'est mes bouquins qui les soulèvent, j'allais dire, c'est pas moi. Enfin, c'est effectivement le problème du néant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça opère? Et c'est vrai que, j'allais dire, avec l'époque du nihilisme que nous vivons, ça devient quand même une question centrale. Et par exemple, j'allais dire, c'est un des personnages récurrents de la, entre guillemets, de la trilogie en formation, c'est clair. Sur la question de l'espace, on en a parlé de manière, disons, analogique ou allégorique, mais dans le roman même, dans Métacortex, vous savez, Ortega et Gasset disaient « Le grand problème du 20e siècle, c'est l'espace, c'est le manque d'espace. L'espace est saturé des masses. » Et on retrouve ça à l'état romanesque ou fictionnel dans vos romans, mais en même temps, ce n'est plus une fiction actuellement sur notre belle planète. Donc, il y a cette dimension-là de l'espace politique aussi qui est très importante dans votre roman. Oui, je suis d'accord. Déjà, pour commencer, effectivement, la massification, on va dire, numérique de l'humanité est effectivement en cours. Ça fait partie des thématiques du roman parce que, tout simplement, j'oserais dire que je fais quand même des romans réalistes. La gouvernance globale, comme je l'appelle, est en train de mettre en place ces dispositifs pour, on va dire, les générations à venir. C'est clair maintenant. C'est pour parler de l'espace politique. Maintenant, la saturation, je ne connaissais pas cette phrase de Ortega et Gasset, mais
Oui, elle ne doit pas dater d'hier en plus, j'imagine. Donc, on va dire que c'est quand même un peu l'histoire du XXe siècle, malgré tout. Sauf que, bon, voilà, quoi. On arrive probablement à une période cruciale dans laquelle cette massification et. Oui, c'est ça, l'espace est devenu saturé d'objets, dont les êtres humains, qui se sont auto-réifiés. L'espace est devenu un objet de luxe à une époque de décadence comme la nôtre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, le temps aussi d'ailleurs. En fait, c'est le monde qui va devenir un objet de luxe. Le vrai, je veux dire, le monde créé va devenir un objet de luxe. Le monde de tous les jours sera cette espèce d'anti-monde devenu tolérable, mais qui aura sa sous-face, celle que je décris précisément, et qui probablement quand même aboutira. Je pense pas entre guillemets, qu'un monde tel qu'on nous le prépare a de fortes chances de survie. Là-dessus, j'oserais pas dire que je suis darwinien, parce que c'est pas le cas, mais on va dire que je suis évolutionniste. Un monde comme ça n'a aucune chance. En même temps, l'espace est aussi un objet de décryptage dans vos romans. On revient au rapport entre la carte et le territoire, le territoire comme carte ou la carte comme territoire à explorer, à comprendre, à déchiffrer, et qui tend donc, comme on disait aussi, vers un centre. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un code ultime, d'une clé de l'espace? Et en même temps du code, donc du verbe. En fait, je pense que c'est le livre qui est à la recherche de ça. C'est toujours pareil. Je sais que je vais paraître maniaque obsessionnel, mais je me sens réel. Enfin, oui, je reprends peut-être un peu, bon, comme un poncif, tant pis, la phrase de Rimbaud, j'aurais été un autre, mais moi, j'ai vraiment l'impression que je suis un vecteur du roman. Le roman est une forme de vie qui demande un être. Et bon, moi, je suis son alchimiste, si vous voulez, enfin, son physicien, enfin, peu importe, je suis le mec qui va appuyer sur les boutons, si vous voulez, pour que l'expérience se fasse, mais. J'aurais envie de dire un serviteur du verbe. Ouais, en fait, oui. Parce que je crois qu'un écrivain, s'il se considère comme un maître du verbe, c'est un pignouf. Honnêtement, quoi. Vraiment, quoi. On est ses serviteurs. Alors, on peut voir ça de manière différente. Bon, moi, je vais peut-être le voir, comme je te dis, peut-être comme un physicien ou quelqu'un qui travaille sur un accélérateur de particules, j'allais dire peut-être quelque chose comme ça. Mais à partir du moment quand même où on a cette vision de la chose, je pense qu'on est quand même dans le vrai. L'écrivain est un serviteur du verbe, mais c'est toujours le même à peu près espace que vous réécrivez, que vous explorez. Donc il y a aussi une singularité de l'écrivain à l'intérieur de ça. Et vos univers sont toujours centrés, concentriques, comme des entonnoirs, un peu à l'image de la vision de l'enfer de Dante, que semble traverser votre personnage entre la vie et la mort. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est là aussi une obsession un peu du rapport forme-sens. Par exemple, bizarrement, la carte indique la possibilité d'un livre, pour reprendre, j'allais dire, d'une certaine manière, un auteur connu. Et cette possibilité d'un livre, elle est effectivement une recherche dans les ténèbres. Parce qu'un livre, en fait, c'est quand même un monstre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Enfin, pour moi, c'est un monstre qu'on doit domestiquer. C'est le monstre dont parle Nietzsche
par lequel il ne faut pas se laisser fasciner, sous peine de devenir comme lui. Il y a aussi un rapport entre l'écrivain et son propre livre qui n'est pas toujours, j'allais dire, qui peut être conflictuel d'une certaine manière, en tout cas paradoxal. C'est à la fois vous et votre contre-pôle. Au moment où il se met en marche, il est encore un être hybride, une sorte de Frankenstein. C'est à vous de le, d'une certaine manière, de l'humaniser. Mais alors là aussi, quelle est votre conception de l'humain, évidemment. Mais voilà quoi. J'allais dire que c'est le but du jeu. Donc, si vous l'humanisez, ça veut dire que vous en faites un être de la chute, mais qui en a conscience. Inévitablement, s'il en a conscience, il se confronte aux ténèbres, parce qu'elles sont là, sauf qu'on les voit pas. Mais dès qu'on a conscience, on se met à les percevoir, elle se met à vous envahir même, elle se met à vous envahir. Donc voilà, l'histoire d'un flic, entre guillemets, à la fin de la décennie qui s'amorce, c'est l'histoire d'un flic qui est obligé d'être le dernier flic. C'est-à-dire le dernier homme qui va oser aller balancer le faisceau de sa maglite là où il faut pas. Et il se trouve qu'il est le seul, ou presque. Et c'est vrai que ça ressemble à la recherche d'un écrivain, parce qu'un écrivain est seul face à ses ténèbres. C'est comme ça. On est à la maglite et éventuellement un Glock calibre 40. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Au moins, lui, il l'a. Donc, après, effectivement, bizarrement, là aussi, la figure des cercles concentriques est née, j'allais dire aussi, bizarrement, d'un rapport à la banalité du mal. C'est-à-dire que, on va dire, les sectes satanistes ou maléfiques, ou peu importe, on va pas dévoiler tout le truc, si j'ose dire, entre guillemets, l'intrigue, mais les sectes de ce type-là, d'ailleurs comme les tueurs en série, de manière générale, en fait, peuvent avoir des... Enfin, il peut y avoir des individus d'une intelligence, comme on dit, supérieure, mais en fait, c'est des homo lambda. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, effectivement, le mal, c'est... Le mal n'est même pas rien. C'est à peine quelque chose. C'est même pas le néant. C'est pas vrai. C'est une espèce de copie, en fait. D'anticopie. C'est très pathétique. C'est pas, j'ai reçu une question, je crois, enfin d'un lecteur qui me demandait, mais pourquoi... Je comprenais, hein. Pourquoi dans les scènes finales, bon, il y a un peu, j'allais dire, description de ce qui se passe dans ce souterrain, pourquoi il n'y a pas plus de, j'allais dire, entre guillemets, de pittoresque high-tech. Mais il y en a un peu, mais pas plus que ce qu'il y aura à l'époque. Parce que ces gens-là, en fait, n'ont pas vraiment d'imagination au sens où on l'entend. C'est de la répétition sade. Si on l'analyse vraiment, on comprend que c'est l'ennui. Mais l'ennui... sans même, j'allais dire, la notion de spleen baudelairien. C'est l'ennui répétitif. Toujours les mêmes séquences. Ah. Moi, je pense que Sade est un génie pour ça, parce que, précisément, il le montre et il le démontre. Bon, après tout se discute, mais peu importe. Mais voilà, la réalité du mal, c'est cette banalité, cette répétition, cette forme circulaire, précisément, que Dante avait si bien... Eh ben voilà, exactement. Les cercles de l'enfer sont répétitifs. Exactement. Ils sont par là même. Et ils aboutissent au néant. Mais, en fait, sans même, j'allais dire, presque le vouloir, le néant est inscrit en eux, mais ils ne sont pas autre chose que des... Oui, c'est ça, ils sont l'homme de la foule. Sans compter qu'aujourd'hui, quand même, il faut bien voir que... On va l'appeler comme ça, la société libérale globale... Libéral au sens nord-américain, c'est pas le monde diplomatique, là. La société libérale globale, si tu veux... Bon, par exemple, quand tu apprends qu'en Californie, il y a 17 000 pédophiles récidivistes qui vont être relâchés dans la nature parce qu'ils manquent de place, parce qu'ils appliquent une loi absurde qui consiste à foutre en tôle à vie
un type qui a volé trois pizzas, le célèbre Three Strikes. C'est-à-dire, si tu voles trois pizzas, au bout de la troisième pizza, tu vas en taule à perpète. Et pendant ce temps-là, ils n'ont plus de place pour bloquer les types qui commettent des vrais crimes. Donc, si tu veux, tu as une espèce d'inversion des valeurs qui a abouti à ce que le système carcéral lui-même devienne une absurdité totale. En même temps... Donc, si tu veux, inévitablement, moi, ce que je décris, le fait que tu retrouves une espèce d'agglomération, on va dire, de pervers, why not? Je veux dire, à partir du moment où la société en arrive, si tu veux, à considérer que, on a vu là, précisément encore en Californie, un type qui a assassiné deux, trois adolescentes, je crois, enfin, en tout cas, une, c'est sûr, et deux autres suspectées. Le type a été, si tu veux, est passé en conditionnel sept fois. Les sept fois, il n'a pas respecté sa conditionnelle. Les sept fois, il a été remis en conditionnel. Si tu veux, à partir du moment où il n'y a plus d'équilibre entre le crime et le châtiment, comme disait justement un célèbre auteur russe, tout est possible, comme il le disait aussi. Oui, l'ennui entraîne la recherche d'intensité, donc voilà. la plongée dans le crime de plus en plus profonde. Mais le paradoxe ne serait-il pas que ce centre concentrique de votre espace romanesque est en même temps un entonnoir qui aspire, un trou du monde, si je puis dire, qui ouvre sur l'absolu aussi. Ah oui, bien sûr. Donc ce néant qui n'en est même pas un conduit à l'absolu quand même. Il le conduit, mais par sa... aussi pas. En tout cas, par son dépassement. Son anéantissement dans le livre n'est envisagé que comme une possibilité. Mais c'est vrai que j'envisage... Le livre se termine en fait sur l'ouverture d'une époque. Donc, dans lequel précisément, j'allais dire, ce type de personnes ou d'autres types, pologies, mais qui en sont proches, vont régner. Mais en même temps, c'est un règne sans, c'est un règne sans royaume. Il n'y a plus de royaume. Il n'y a même plus de royaume terrestre, j'allais dire. Il y a fait longtemps qu'il n'y a plus de royaume céleste, j'allais dire, enfin, pour ceux qui y vivent, mais le royaume terrestre, là, ça sera... Donc, voilà, quoi, ce sera la foule atomisée, mais elle l'est par nature. Donc, c'est la disparition de toute... Bon, osons le dire, de toute civilisation. Il y a une différence aussi entre Grande Jonction, par exemple, ou Cosmos et Métacortex. Cosmos dans lequel l'espace est aussi centré autour de cette mystérieuse pièce chambre noire quasiment dans l'hôtel. Le vortex est au centre de la police, alors que dans Métacortex il est très excentré. Oui, là aussi c'est... J'allais dire, je crois de plus en plus que les livres sont des, comme je vous disais, des enregistreurs d'une certaine manière physique. Donc, comme je vous l'ai expliqué aussi tout à l'heure, il y a, oui, c'est une figure centrale, mais par exemple, dans Métacortex, j'emploie un concept qui vient de l'armée américaine, qui est le Network Centric, où le centre est à la fois le centre, mais il est partout dans le réseau. Donc, si vous voulez, on est dans une figure où le centre existe, bien sûr, mais il n'a plus exactement la même définition statique. Il a une définition axiale, mais il a une définition axiale dynamique. Donc, dans Métacortex, visiblement, oui, il s'est déplacé, il s'est reconfiguré d'une manière différente que, par exemple, dans Villa Vortex, ou même dans Cosmos Incorporated. En un sens, est-ce que c'est pas la continuité de la police protéiforme de Fouché? Son rêve était... Oui, et c'est sûr qu'on va vers... Alors, peut-être une version, et encore, une version soft de la chose, mais encore, c'est pas dit. Je vois arriver des signes qui sont quand même assez... j'allais dire perturbants à ce niveau-là. Mais oui, effectivement... une police tellement protéiforme où chacun sera le flic de chacun. Mais en même temps, bizarrement, je pense que ça va être beaucoup plus facile d'arriver, si vous voulez, à
Un entonnoir, je parle là de l'entonnoir terrestre, ou plutôt même subterrestre d'une certaine manière, mais qui guide le monde de la chute, puisque il va vers le bas. C'est bien là où se situe son aimantation. Alors si en plus l'homme, j'allais dire, devient même l'instrument conscient et, j'allais dire, volontaire de cette chute-là, j'allais dire, l'abîme s'ouvre en même temps que le vortex se referme sur lui-même. Il va devenir une configuration protéiforme de criminel. À des degrés divers et variés, bon. Ce qui apparaît en germe à la fin de Vilacortex, le lapsus, à la fin de Métacortex, j'allais dire, c'est-à-dire, bon, ces espèces de favelas nautiques qui sont elles-mêmes arraisonnées par des pirates, comme on voit aujourd'hui aux côtes de la Somalie, mais quand on voit apparaître un phénomène comme ça, je me demande comment, enfin, des hommes politiques sérieux ne sont pas déjà en train de prévoir que dans 10 ans, ça va être quelque chose d'évidemment épidémique. Si vous y rajoutez évidemment la Somalie, on est bien d'accord, si vous y rajoutez les troubles de type enfin, inter-islamique ou islamisme, etc., bon, ça commence, j'allais dire, à prendre des figures un peu inquiétantes, enfin, il me semble pour le moins. Il semblerait pas, hein, pour le moment, mais bon. Donc, si on ajoute à ça des phénomènes géopolitiques encore plus consistants, j'allais dire d'ordre régionaux, avec l'Iran, le Moyen-Orient, etc., bon, ça commence à faire beaucoup, et c'est juste une région du monde. Bon, dans lequel se produit ça, pourquoi ça va pas, pourquoi la piraterie maritime, soudainement, n'apparaîtrait pas sur les côtes du Nigeria? Comme si elle l'avait pas déjà fait. Vous voyez? Donc, bon. Je prends que cet exemple, l'espèce de paradoxe qui va, à mon avis, se nouer réellement entre l'énergie pétrolifère et les énergies alternatives qui vont mettre en danger les producteurs de pétrole, de fait, qui vont créer des problèmes écosystémiques parce que soudainement tout le monde va se mettre à vouloir faire du biofuel comme au Brésil, ce qui est entre guillemets logique que des pays veuillent s'en sortir si soudainement les pays occidentaux marchent au biofuel plutôt qu'au pétrole. Bon, ils vont remplacer les pays, je dirais le Brésil va essayer de devenir un remplaçant de l'Arabie Saoudite, oui, mais d'accord, mais. Voilà, tous ces problèmes-là, je me suis dit, bon, on va pas en faire un vrai background, c'est pas si important que ça, entre guillemets, mais malgré tout, il se trouve que ça va faire partie du quotidien des gens dans une dizaine d'années. Donc, vu, comme je vous disais, je pense faire des romans réalistes, ben, j'imagine, oui, il y a les favelas nautiques, puis il y a ces espèces de décharges dans lesquelles les matériaux non recyclables, non usables, les liens trouvent preneurs parce que il continue à y avoir un marché noir, etc. Je vois le développement d'une seconde, troisième, quatrième économie, mais qui deviennent des économies mondes à leur tour. Je pense pas être dans le déni de réel quand même. D'un autre côté, vous faites des romans réalistes, mais pour en revenir à l'espace, l'espace est souvent schématisé, la géographie ramenée à une forme de géométrie avec des figures. Dans Métacortex, on a parlé déjà des cercles, mais il y a aussi l'image du cube Oui, qui est omniprésente, c'est l'image vrai. du tube Oui. sous deux formes, Oui. par ailleurs, la lunette de vision et mystérieux tube de Verlaine. Donc il y a aussi C'est vrai. une structure sous-jacente, schématique que vous essayez de tracer. Oui, enfin que le livre essaye de tracer comme toujours, c'est-à-dire que effectivement le vortex est une figure. Maintenant, il se transfigure. Les cercles concentriques indiquent, enfin sont une carte. De la même manière que le cube aussi est une carte, que le tube aussi est une carte, c'est-à-dire
le moyen peut-être d'accéder à un territoire qui est encore inconnu, qui est en, j'allais dire, qui est encore en construction dans mon cerveau au moment où le récit se fabrique. Mmh. C'est ça aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé Métacortex, honnêtement, comme la plupart de mes romans, oui, j'avais, ok, le Canada dans 10 ans, bon, j'allais dire, j'ai mes data d'une certaine manière, bon, deux, on va dire, un flic, son acolyte, bon, j'avais envie, non pas d'imiter Elroy, mais il y a quelque chose que j'avais envie de faire qui était, essaye de faire quelque chose qui soit de l'ordre de la, entre guillemets, conspiration. Parce que, en fait, ce sera un piège pour le lecteur. C'est pas ça qui est important, quoique ça l'est aussi. Il faut pas non plus tromper le lecteur, ça je crois pas. Mais on a le droit de l'emmener dans des recoins qui sont pas clairs pour après l'emmener à la vraie lumière. Je pense que ça, on a le droit de le faire. Donc oui, quelque chose qui était de l'ordre des conspirations croisées hors notre monde. Je veux dire, quand Elroy décrit les années 60-70, je veux dire, bon, déjà, bon, il sait de quoi il parle, et on sait bien, enfin, quand il parle de Kennedy, ou peu importe, bon, on a bien conscience de ça. Moi, il se trouve juste que je m'intéressais plutôt à ce qui allait se passer dans un avenir proche, qui est aussi une projection de notre présent actuel, en fait. Bon, ça c'est clair. Je fais de la science-fiction, comme je dis, je fais de l'anticipation à 30 secondes, quoi. Est-ce qu'au centre du vortex, il y a une bibliothèque? Oui, probablement, mais on peut aussi se dire que la bibliothèque elle-même... la bibliothèque est peut-être l'âme, effectivement, de tout ça. J'allais dire, tout simplement parce qu'elle est aussi la carte du territoire de ma bibliothèque, c'est-à-dire de tous les auteurs qui m'ont nourri. Alors, ça va de... j'allais dire... de Ballard à Dick, à Dostoïevski, Nietzsche, Blois, mais... j'allais dire Burroughs... voilà quoi, Abellio, mais j'oserais dire le rock'n'roll. On peut remonter à Lovecraft ou à d'autres, au 19e siècle, voire même à des lectures d'enfance, je sais pas, Stevenson. Tout ça est dans ma bibliothèque, donc, mais en même temps, j'ai pas envie de tout le temps la citer. C'est pas ça l'idée, c'est pas de... Mais voilà, quoi, elle existe. Après, dans les romans, elle sert juste de moteur à la possibilité d'une carte spécifique au personnage en question. Là, par exemple, c'est Joseph de Maistre, par exemple. Parmi les influences qui me paraissent essentielles dans Métacortex, il y en a une qui m'est jamais paru aussi importante dans votre œuvre et qui n'a pas été relevée par ailleurs, c'est celle de Lovecraft. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en parallèle entre Métacortex et l'œuvre de Lovecraft, en particulier deux de ses œuvres, The Picture in the House, qui est une petite nouvelle, et l'affaire Charles Dexter Ward, qui est beaucoup plus connue. Alors, la première chose, c'est le rôle central, supranaturel du livre. Par exemple, dans The Picture in the Old House, on a un chercheur d'université miscatonique, là. C'est le classique personnage Lovecraftien qui retrouve une vieille maison isolée, qui trouve un livre étrange, qui s'ouvre toujours sur une page de cannibalisme. Bon. Dans Métacortex, on a le rôle central, supranaturel, du livre-tube, du livre qui devient un tube, qui devient même
une hostie, quelque part, qui devient non pas le corps du Christ, mais le corps de... Bon, on pourra en discuter tantôt exactement dans quel sens, le sens que vous donnez à ça. Une autre allusion, ben, c'est le Neuroconomicon de Métacortex, qui est un écho au célèbre Necronomicon de Lovecraft, le livre qui rend fou, c'est le lecteur qui passe à travers. Et Verlaine subit des transformations très étranges après avoir tenté de décoder le Neuronomicon. Ensuite, il y a la question de tout le chapitre de la maison Cosworth, vers la fin qui, même dans la narration, est écrite sur le mode Lovecraftien, dans le sens de la lenteur, qui nous amène aux portes de l'horreur, mais tranquillement, en donnant des petits détails insignifiants, vous me pardonnerez l'adjectif. Mais Lovecraft était très fort sur ces choses-là, et vous. Là-dessus, vous me paraissez marcher dans ses traces. Lovecraft avait un faible, évidemment, pour la maison isolée dans la campagne de Nouvelle-Angleterre. Vous transposez ça au Québec, dans le nord du Québec, la maison isolée. Et même, je me suis pris à imaginer que peut-être que Cosworth et Ward s'étaient connus à une époque. Ils auraient Non, pu. ils auraient pu, oui, parce que les dates concordent, parce que la maison Cosworth avait 24 ans, je pense, en 1896. Donc, Ward est né un peu plus tard après, donc ils avaient une dizaine d'années de différence. Au fond, ils auraient pu se rencontrer. Il y a le rôle central du souterrain, ça me paraît majeur, dans l'affaire Charles Dexter Ward, et dans Métacortex aussi. Le rôle central du souterrain qui cache un monde horrifique, où il y a des cellules, il y a toutes sortes de choses horribles et macabres qui se déroulent dans les deux histoires pour des motifs différents, mais tout de même, le labyrinthe souterrain joue un rôle essentiel. Et enfin, dernier point, c'est la fusion des identités. Dans l'affaire Charles Dexter Ward, on a le vieux sorcier Joseph Kirouane, qui est ressuscité par Charles Dexter Ward, on se souvient, et qui est son descendant de deux ou trois générations. En fait, c'est son petit-fils, si je me souviens bien. Ensuite, Kirouane assassine Ward et prend sa place pour continuer ses crimes. Dans Métacortex, on a Verlaine, père et fils, dont l'identité fusionne, mais pour le salut du monde. Le fils rachetant les crimes du père. Alors, on a ici, on est en présence je pense, il y a des éléments assez forts, assez importants au niveau de l'intrigue et du contenu dans Métacortex qui nous ramènent à Lovecraft. Oui, c'est. En fait, comme vous le savez, vous avez été le premier à. Enfin, disons, le premier à le mettre en lumière de manière aussi. Enfin, évidente, quoi, aussi claire. Il me semble me rappeler quand même que quand je l'écrivais, par exemple, bon, le Neuronomicon, c'est sûr que je me suis souvenu de la relation qu'il y avait avec le Necronomicon, du célèbre alchimiste arabe, etc. Ensuite, c'est sûr aussi que la structure souterraine, j'allais dire, me rappelait quelque chose de Lovecraft. Mais étonnamment, c'est quand. Nous en avons parlé pour la première fois, enfin il y a quelques temps de ça, que oui, effectivement, soudainement, parce que c'est des lectures qui remontent quand même à longtemps, soudainement je me suis dit, ah, bon Dieu, ça a voulu ressortir, sous sa forme propre, mais par exemple, oui, peut-être même que la notion centrale, par exemple ces notions de maison, qu'on retrouve dans Libermundi, mais aussi dans d'autres livres, comme Cosmos Incorporated, par exemple, peut-être d'autres, je ne sais. Ce type de déviance, j'allais dire, qui viennent toucher une autre dimension, bah, malgré tout, oui, c'est vrai, ça se retrouve chez cet auteur, et c'est peut-être pas étonnant non plus, parce que je dois reconnaître que, bon, dans les auteurs qui ont marqué, on va dire, mon adolescence, quoi. À l'époque où j'ai lu beaucoup de science-fiction et de fantastique, Lovecraft a été un astéroïde, quoi.
sur le plan métaphysique. Alors bizarrement, excusez-moi, mais bizarrement c'est ça, c'est qu'il a laissé un cratère, c'est vrai, il a laissé un cratère et il a laissé quelque chose dessous qui n'a commencé peut-être à faire son apparition sur la carte peut-être avec l'écriture de ce livre. Ce qui me fascine, c'est que cette influence-là est inconsciente. Et c'est peut-être le plus bel hommage qu'on ne peut pas faire à un maître. Je ne sais pas si vous considérez Lovecraft comme un maître, certes. Mais c'est peut-être la plus belle forme d'hommage, l'hommage inconscient. C'est ce que disait T.S. Eliot, l'écrivain véritable est inconscient là où il doit l'être, il est conscient là où il doit l'être. Quand c'est l'inverse, ça donne Marc Lévy, par exemple. Mais... une autre chose sur le plan métaphysique, c'est il y a la notion d'inframonde, qui là n'est pas propre à Lovecraft non plus, mais que vous amenez précisément dans Métacortex, et qui, en fait, c'est, l'inframonde devient le miroir, le reflet souterrain du monde, et il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'issue possible. Non, même ce que je laisse entendre, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, ce que je laisse entendre, c'est que, en tout cas, à la fin, quand cette seconde époque, cette seconde chute s'ouvre, cet inframonde va devenir le monde. C'est... comme disait Raymond Abellio, je crois, justement, la loi et l'ombre... la loi est l'ombre de la liberté. C'est... Ça fait partie des aphorismes d'Abellio, je veux dire, qui m'ont marqué, parce que, voilà, quoi, c'est bizarrement ce qui risque d'attendre l'humanité dans très peu de temps, c'est-à-dire que la guerre de tous contre tous, c'est précisément le moment où il n'y a plus strictement aucune loi, Vous prenez le désastre Katrina en 2006 ou 2007, excusez-moi, et puis vous en faites un monde. Est-ce que j'ai raison de parler de fusion d'identité du père fils Verlaine qui rachète les crimes? Ah oui, là en plus, bon, on va dire qu'avec Métacor... Bon, le problème du linéage, j'allais dire, mais au sens... plus large même que la simple filiation génétique, quoique elle existe aussi évidemment. Je me suis rendu compte qu'elle était, mais là aussi c'est pareil, je me suis rendu compte après coup que c'était une figure centrale dans mes romans, et ça commence avec La Sirène Rouge, parce qu'il y a déjà un rapport mère-fille, c'est-à-dire bon, assez lourd on va dire. Bon, dans Les Racines du Mal c'est un peu pareil, Andrea Schalzman, sa pathologie vient aussi d'une pathologie familiale. Dans Babylon Babies, le problème du clonage, alors là, bon, c'est une filiation, j'allais dire, déviante, etc. Bizarrement, dans Villa Vortex, peut-être c'est le seul roman où le problème ne se pose pas en ces termes. Ça demande peut-être quelqu'un, moi je suis peut-être pas capable de le faire, enfin, d'avoir la distance critique pour se faire. Mais j'ai bien senti déjà que dans Artefact, par exemple, dans toutes les nouvelles, il y a un problème qui est lié à la filiation, de toute façon, même la nouvelle centrale, même si là aussi elle n'est pas directement humaine. Puis évidemment, dans Métacortex, soudainement, là, je sais pas, ça a explosé, j'allais dire, quelque chose a initié à la fois le problème de la filiation, du linéage, j'allais dire du linéage... du linéage métapolitique qu'il y a entre le père et le fils. C'est-à-dire que, je crois que, enfin, quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi j'avais choisi la figure d'un Waffen-SS, etc. Alors, j'aurais pu m'inspirer évidemment de ma propre vie. C'est-à-dire de ma propre vie, et de prendre un père résistant, j'allais dire, dans les forces françaises libres, que sais-je, etc. Bon. Et puis avoir un fils peut-être néo-nazi. Et puis je me suis... Non. Le problème du nazisme, c'est que soudainement, donc je m'y suis intéressé.
enfin, je ne veux pas dire que je ne m'y intéressais pas avant, mais j'ai creusé un certain nombre de points spécifiques, réellement, là. Comme, par exemple, la Waffen-SS, réellement, qu'est-ce que c'était? Et je me suis intéressé vraiment à son organisation structurelle. Comme je suis un peu maniaco-obsessionnel, comme on le sait, et je suis allé vraiment très très loin dans la... Et là, j'ai compris que... Comment dire? Je tenais peut-être l'alpha d'une époque. Et que, bizarrement, elle allait englober celle que vivait mon personnage. Alors, soudainement, je me suis dit, ah bah oui, donc il y a une filiation, il va falloir... Enfin, il va falloir... Ça s'est concrétisé, il y avait filiation génétique, mais en même temps, ils sont les deux points, j'allais dire, mais ils ne sont pas identiques, et en même temps, ils se ressemblent, en même temps, ils sont aussi des miroirs l'un de l'autre. Son père n'était pas spécialement nazi, comme beaucoup d'incorporés de force dans la Waffen-SS, en particulier les Alsaciens. Et Verlaine n'est pas spécialement net non plus. Et voilà, personne ne l'est non plus dans ce roman. Même le père de Verlaine a probablement, on va dire, commis des actes de guerre qui sont, pour le moins, on va dire, limite crimes de guerre. Peut-être même qu'ils le sont. Je fais même une allusion à des viols de femmes soldats soviétiques. Donc, je crois savoir que c'est considéré, enfin, peut-être pas à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être considéré comme un crime de guerre. Donc, en même temps, Verlaine, j'allais dire, n'est pas une figure, comment je dirais, dont le rapport avec son père, je voulais pas qu'il y ait quelque chose de, je sais pas comment vous dire, je voulais pas qu'il y ait quelque chose d'évident. Je voulais pas qu'il soit à la fois le reflet, j'allais dire, parfait, ni non plus sa contradiction totale. Je voulais qu'il y ait comme, là aussi, une reprise. D'une certaine manière, à la Kierkegaard. C'est-à-dire, c'est pas la tabula rasa, justement, mais c'est pas non plus la continuité, c'est la réinvention. Donc, je vais pas dire qu'il réinvente le Waffen-SS, c'est pas ça l'histoire, mais il réinvente l'histoire de la survie. Son père, c'est quoi? C'est uniquement, comme il le dit lui-même, le père Verlaine, il ne se considère pas comme un héros puisqu'il n'est pas mort. Lui, il a une conception de l'héroïsme qui consiste même pas à ce que tu accomplisses un acte héroïque pour sauver quelqu'un, etc., et que tu survives. Non, non. Pour le père Verlaine, lui, il a survécu, donc il est coupable. Verlaine a un rapport différent par rapport à la survie en même temps. Justement parce que il prend son père comme une source d'enseignement aussi, par rapport à ça. Donc, il y a toujours quand même une mise à distance. Parce que sinon, là aussi, j'allais dire... On n'est pas dans le réalisme, mais dans le psychologisme. On est plus dans un rapport d'engendrement d'un monde par un autre. Oui. Et Verlaine hérite plus d'une, oui, d'une, comment dire, d'une position dans l'espace, sinon d'une trajectoire dans l'espace de son père. Bien mieux dit, même peut-être que je l'aurais dit. C'est exactement ça. En fait, je traduis ça comme ça. La Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Ça ne peut pas s'arrêter, parce que c'est pas une guerre, entre guillemets, c'est une époque. C'est l'époque du camp et de la bombe. Elle s'est ouverte, on va dire, en 1940-45, et on la vit encore aujourd'hui. Elle va se terminer bientôt, parce que, on va dire, on voit déjà le début de la fin. Mais voilà, on est quand même toujours là-dedans. Cette époque, cette guerre qui ne s'est jamais arrêtée, cette époque qui... de fait continue, même si on ne la voit pas, elle transcende tous les événements ou les pseudo-événements qui ont lieu depuis. En fait, qui ne sont que des répétitions plus ou moins locales, plus ou moins régionales, plus ou moins générales, du même pattern. Des reconfigurations. Bah, c'est-à-dire que le nazisme n'a pas gagné la guerre, comme je dis, mais il a gagné le monde. Il a gagné la paix. C'est-à-dire que, en fait, bizarrement, pas de manière, là aussi, j'allais dire, symétrique, mais le nazisme a inventé l'ONU. Il a bizarrement légué l'idée d'un gouvernement supranational. Parce qu'il faut savoir que dans le nazisme, oui, il y a le mot national, mais en fait, quand on étudie en particulier l'ordre de la Waffen-SS,
ses fondamentaux idéologiques, c'est très étrange de constater que c'est un véritable cosmopolitisme politique. Donc, oui, il y avait des restrictions raciales, etc., comme dans le communisme, il y a des restrictions de classe, mais peu importe. C'est pas ça l'essentiel. C'est une idée de la philosophie allemande qui est très forte depuis Kant, depuis le projet de paix perpétuelle. Voilà. Et bizarrement, le nazisme qui... Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas responsable de la Seconde Guerre mondiale et de ses 60 millions de morts, c'est pas ça. Mais depuis, combien y a-t-il eu de millions de morts? Honnêtement. Alors évidemment, sur un peu plus de temps, une manière un peu plus micronisée, un peu plus en spray, j'allais dire comme ça, mais honnêtement. Donc en fait, je considère le nazisme d'une certaine manière comme uniquement la concrétisation historique momentanée d'un état psychique du monde, qui est un rapport spécifique, entre autres, à la technique. Et le nazisme lègue aux deux grands camps victorieux de l'après-guerre, c'est-à-dire quand même les États-Unis et l'URSS, leur lègue, d'une certaine manière, toute la technique monde qu'il va y avoir après, ce dont je parle dans le bouquin, parce que ça m'intéressait de comprendre que, ah tiens, en fait, ce sont les Allemands qui ont inventé la lunette à infrarouge. Ça, évidemment, pour un écrivain qui s'intéresse plus, peut-être à ses bébés, par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, pour moi, ça en a, évidemment. Le fait que l'autoroute, c'est une invention militaire, ça rejoint le fait que Internet soit en soi une. Si personne ne voit la continuité là-dedans, bon, bah, je m'excuse, je suis un auteur incompréhensible, alors désolé. Est-ce que vous pourriez reformuler ce rapport des deux mondes, le monde du nazisme et le monde de l'après-guerre mondiale, en expliquant le parallèle qui s'ébauche dans votre livre entre le crime de masse ou le crime de guerre et le divertissement? Ah oui, il faut savoir que dans certains camps d'extermination, les chefs de camp, enfin, ou leur lieutenant, peu importe, se faisaient construire des salons concomitants aux chambres à gaz. C'est-à-dire, il y avait un mur de séparation. Et là-dedans, ils faisaient la fête, pendant que les gens se faisaient gazer. Donc, oui, bien sûr, l'ennui a besoin... Plus on est vide, j'allais dire, plus on a besoin de plein. Bonne chance. Donc voilà, j'allais dire, la messe est dite en ce qui concerne cette chose-là. C'est que... C'est la même chose. Moi, j'ai jamais fait de différence fondamentale, en fait, entre les pathologies collectives et les pathologies individuelles. C'est juste ça. Dantec, vous avez créé ce qui m'apparaît être le premier héros mestrien de la littérature,
avec le personnage de Paul Verlaine. Chez lui, tout est eschatologique. Chez lui, tout est déterminé par un ordre qu'on va appeler supranaturel. Chez lui, il n'y a presque plus de liberté. J'aurais tendance même à dire que la liberté est parfaitement abolie. Il obéit à des déterminismes qu'il dépasse. C'est le premier héros mestrien de la littérature. Waouh! Je pense pas avoir eu l'ambition réellement de faire ça, mais disons que c'était parmi les rares, j'allais dire, options déterminantes, déterministes même, du roman. Il y avait ce fait que j'étais tombé, enfin, on va dire, ces dernières années sur la philosophie de Joseph de Maistre. Et qu'évidemment, elle m'avait, comme on dit aujourd'hui, pour le moins interpellé. alors, d'une part, pourquoi j'ai voulu faire de Verlaine un personnage mestrien? Parce que précisément, de Maistre me posait des questions sur la justice, sur comment les différentes civilisations. Alors, je passe sur ces différents ouvrages, on ne va pas faire l'exégèse non plus, mais dans l'éclaircissement sur les sacrifices, en particulier, qui a été, je reconnais un peu la pierre angulaire de ce travail, j'allais dire d'ailleurs, les questions restent ouvertes. Mais j'ai dû opérer cette suspension de jugement qui faisait que, vu que le roman, encore une fois, voulait que Verlaine, vu que Verlaine était mestrien, tout simplement, j'allais dire, je devais, du mieux que je pouvais, en tout cas, incarner cette philosophie dans ce personnage. Alors, les questions sur la liberté, justement, sont complexes chez de Maistre. Elles ne sont pas aussi, j'allais dire... Elle me semble pas si tranchée que ça non plus. Cet équilibre toujours, malgré tout, fragile, toujours en même temps fragile et en même temps, j'allais dire, aussi flamboyant d'une certaine manière que l'épée qui garde le jardin d'Éden. Mais on sent bien quand même qu'il y a un questionnement. C'est pas un homme uniquement fait de certitude, Maistre. C'est aussi un homme qui interroge le siècle, qui interroge le monde, qui s'interroge lui-même. Donc, cette idée de réversibilité, en plus, bon, qui va pratiquement contre le sens commun. Oui, mais bon, le christianisme va contre le sens commun. Donc, vous êtes confronté à ça, vous vous dites, ah, ok, mais malgré tout, il fait cette chose absolument, j'allais dire, enfin, à mes yeux, vu mes connaissances, cette chose... qui me semble unique dans l'histoire, on va dire, de la philosophie chrétienne, qui est que, malgré tout, si le christianisme dépasse la loi, on va dire la loi judaïque, étrangement, il reprend quelque chose qui datait peut-être d'avant. Justement, cette notion, entre guillemets, païenne, paganiste, peu importe, du sacrifice. Mais évidemment, avec le christianisme, ça prend une toute autre dimension eschatologique, comme vous le signifiez en préliminaire. Mais malgré tout, il me semble qu'il met le doigt sur des choses brûlantes, évidemment, mais enfin, un auteur qui ne travaille pas avec les choses brûlantes. Maistre est un prophète fulgurant, ça ne fait aucun doute. Seulement, ce qui me paraissait... Bon, vous dites que c'est involontaire, mais ce qui me paraissait évident, c'est que Verlaine incarne, je trouve, certaines des limites de la philosophie mestrienne. C'est sûr, je vous vois, et dans ce qu'elles ont, disons, de moins noble ou de moins... parce que quand on comprend en marchant avec Verlaine, que, en fait, le salut du monde passe par la justice.
En fait, le salut du monde, le salut des hommes est substitué. C'est la justice qui est substituée au salut des hommes, à la miséricorde. Ce n'est plus la rédemption par la miséricorde, c'est la justice par le sacrifice. Oui, il y a de ça, mais il me semble que sur la fin, il y a comme l'indication que cette justice par le sacrifice n'a comme ouverture possible, malgré tout, que ce que vous décrivez comme la rédemption par la miséricorde. Mais en même temps, vu que, j'allais dire, l'articulation finale du livre est comme souvent chez moi, mais parce qu'il y a bien le troisième volume qui arrive, l'ouverture d'une seconde époque, de cette seconde chute, oui, il y a quelque chose effectivement qui rejoint, on va dire, peut-être une certaine dureté qu'il y a chez Maistre, que je peux comment dire, que je peux comprendre, mais je pense pas que ce soit une dureté, si vous voulez, que ce soit une dureté cruelle. Il n'y a pas chez lui, même les choses qu'on retrouve chez Tertullien des fois, de contemplation complaisante des souffrances des damnés, etc. Je crois pas qu'il y ait ça chez lui. Il y a simplement peut-être, faut peut-être le situer aussi dans son époque particulière. C'est que là aussi où ça m'a intéressé, pourquoi Maistre pourquoi Maistre et Verlande avec au milieu le père de Verlande en plein milieu des toundras russes de 1943, c'est que de Maistre a eu raison contre toute son époque. On peut éventuellement trouver des limites à sa pensée, qui n'en a pas. Il n'y a pas de problème. Mais, voilà, en termes de philosophie, on va dire, il n'y a pas photo, là, non plus. Il y a lui et il y a les autres. Je veux dire, les coupeurs de tête. On est bien d'accord. Il était seul, ou presque. Enfin, oui, il y a quelques... Avec Bonald et quelques... Voilà, autres, mais je veux dire, il a quand même été le... Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il a été le pivot. Enfin, devant le naufrage de l'Europe, ouais, l'effondrement de l'Europe, il y avait une volonté de ramener le bien commun, une apparence d'ordre au moins qui passait par... Oui, en plus, voilà, quoi, je veux dire, quand on le lit vraiment, on se rend compte que son ordre n'est pas quelque chose de, j'allais dire, de... Enfin, si, autoritaire au sens noble du terme, c'est-à-dire autorité, auteur, encore une fois, mais je veux dire, il n'y a rien de... Ben, justement, il n'y a rien de moderne, donc il n'y a rien de fascisant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Absolument pas, c'est les hiérarchies organiques. Absolument. Et on retrouve ça chez Verlande. Voilà, c'est ça. Ça, par contre, oui, c'est clair. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Et en particulier en termes de... Alors évidemment, chez Verlande, ça prend... J'allais dire, ce n'est plus un homme du XVIIIe siècle, évidemment. Donc, c'est converti, j'allais dire, d'une certaine manière, en terminologie évolutionniste, par exemple. Mais évolutionniste, au vrai sens du terme, c'est pas darwinien, c'est plus complexe. Au sens scientifique, là, vraiment, voilà, pas au sens idéologique. C'est ça, exactement. C'est ça. Il s'est peut-être aussi opposé à une fausse conception de la liberté que la Révolution a sanctionnée, c'est le cas de le dire, et qui culmine dans l'exécution de masse. D'où donc sa conception de la liberté comme justice, comme expression de la justice divine, ramène la liberté dans l'orbite du déterminisme supérieur. Je crois quand même. Et c'est ce qui fait toute la... Enfin, il me semble toute la complexité. Un philosophe qui n'est pas complexe, bon, c'est Michel Onfray. Non, mais voyez, je veux dire, bon, vous avez Nietzsche d'un côté ou vous avez Maistre. Oui, évidemment, c'est pas la ligne claire, là, hein, on est d'accord. Ils sont confrontés eux-mêmes à leurs propres questions. Ils les soulèvent pour de bon, quoi. Ils se prennent leur propre face nord. Bon. C'est que chez Maistre, il y a cette... Je ne dis pas que la liberté est abolie, mais il y a une tendance à vouloir l'abolir. Alors que chez Verlaine,
chez, pas chez Verlaine, pardon, chez Verlande, elle est. Il y en... C'est peut-être le dépassement qu'il fait, parce que, comme d'habitude, j'avais pas non plus envie de faire. Quand je dis que j'en ai fait un héros mestrien, c'était, je veux dire, c'était la base, mais en même temps, il a sa propre existence, il a sa propre pensée, il a sa propre autonomie. Et donc, évidemment, oui, il est mestrien, mais en même temps, il est Verlande, et quelque part, il aboutit à une conception parallèle, je dirais, ou un peu déviante aussi, personnelle, singulière. Parce que j'avais pas envie non plus d'en faire un décalque de Mestre pour faire un livre, j'allais dire, pédagogique, comme en font certains, qui font circuler leurs héros dans les avenues, enfin les rues de Saint-Germain-des-Prés, en parlant à des jeunes filles, je ne citerai personne, qui leur enseignent, grosso modo, l'histoire de la littérature depuis la Renaissance. J'en ai rien à foutre de ça. Non, tout à fait, ça n'a rien à voir avec un personnage qui incarnerait une thèse. Voilà, c'est faut surtout pas entendre personnage mestrien dans ce sens-là. Non. Mais c'est précisément un personnage mestrien crédible parce que la philosophie de Mestre est tellement bien introduite, incarnée dans le personnage. Il se comporte, il a des attitudes, disons, mais à certains moments, oui. mestriennes. Oui, tout à fait. Ce n'est pas rien que sa pensée ou le fait qu'il soit lecteur. Par ailleurs, Verlande, on pourrait en faire une certaine lecture. Vous me direz ce que vous en pensez. Représente à la fois Caïn et Abel, je pense. C'est à la fois le juste qui est tué, et c'est à la fois l'assassin aussi. Oui, c'est vrai. Je reconnais que ça m'a traversé. Même cette comparaison biblique m'a traversé l'esprit à un moment donné. Je ne saurais dire pourquoi, parce que lui aussi, je ne nie pas en tout cas que jusqu'à la fin, il est aussi un homme de la chute. D'ailleurs, il ne le nie pas lui-même. Bon, j'allais dire, c'est peut-être lors de sa dernière transfiguration, on va dire que peut-être les choses changent. Mais oui, c'est sûr. Comme je crois justement dans le premier volume de Liber Mundi, dans Villa Vortex, je fais dire... Je crois à Wolfman, le bibliothécaire, justement, il faut les hommes mauvais pour combattre les ordures. Et dans ce, j'allais dire, dans ce bas monde, dans le royaume d'ici-bas, on en reparlera, c'est malheureusement aussi vrai. C'est-à-dire que pour se confronter au mal, il faut probablement aussi en avoir... Oui, en partager une partie, c'est probable. J'en suis pas certain, c'est pas des certitudes, mais en tout cas, dans la démarche de Verlande, il y a cette conscience. De la même manière que son père, c'est pareil. Sa propre liberté, comment l'achète-t-il, j'allais dire, en assassinant des hommes de son propre camp. Enfin, c'est plus le camp de personne, mais malgré tout. On arrive devant cette question fascinante, à mon sens, qui est le mal qui anéantit le mal, oui. et qui débouche sur l'espérance, en fait. Et heureusement. Et c'est pour ça que certains critiques ont vu dans Métacortex un roman gnostique, ce qui me paraît être une erreur, puisque, bon, il ne faut pas mélanger d'une part la démarche de l'auteur avec les personnages aussi, ce qui sont des choses distinctes. Mais il y a cette chose-là, à la fin, même si c'est la chute des cieux, comme est intitulé un des chapitres terminaux, il y a cette espérance-là, parce que le mal anéantit le mal. Bien sûr. Puis la confusion sur le gnosticisme, je crois, est plus profonde. C'est que, bon, il y a eu plusieurs critiques qui ont commis cette erreur. Qui consiste à penser que je serais gnostique. Non, c'est le monde qu'il est devenu. Moi, je ne suis pour rien. Ce qui se passe et qui est tout à fait étonnant, c'est que, à cause précisément de la prédominance de l'arraisonnement de la technique monde sur l'homme, ce gnosticisme est devenu performatif. C'est-à-dire qu'au moment où il s'énonce, il devient réel. Donc,
effectivement, l'entité démiurgique, j'allais dire des gnostiques, qui était à l'époque, on va dire, ok, une croyance, qui même pouvait éventuellement, j'allais dire, contaminer des parties entières de population, mais peu importe. Là, ce n'est pas le problème. C'est le problème, c'est qu'il est devenu réel. C'est qu'on l'a fabriqué. C'est que le démiurge existe, et précisément, c'est cette gouvernance globale, mais au sens de la métastructure de Cosmos Incorporated, par exemple, qui est effectivement une entité gnostique qui est devenue réelle, qui est l'agent intelligent d'Averroès qui est devenu réel. Et qui est incarné, en particulier dans le roman, par le personnage de Sloane. Alors, voilà. Qui est le mauvais démiurge et qui crée le faux monde, ce faisant, le faux monde se crée par Sloane, qui est l'articulation fondamentale de tout ce monde massacre, ce monde global que vous avez mis en place. Et dans ce sens-là, il y a des éléments gnostiques, mais précisément parce que c'est un reflet du monde dans lequel on vit. C'est exactement ça. Par rapport à Sloane, non seulement il fait partie, j'allais dire... Alors, bizarrement, là aussi, c'est pourquoi ce monde de la chute est devenu réellement, comme un objet, malheureusement, transorbital qui se met à chuter vers la Terre. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Bien le dire, le constat est là. Et Sloane, bizarrement, tout en étant, entre guillemets, opposé à l'ordre qui se met en place, en est un des, involontairement peut-être, peu importe, mais en est effectivement un des accélérateurs. Et bizarrement, il est déjà obsolète, alors même que le complot dont il fait partie se met en place, parce que son complot est encore, j'allais dire, un complot politique. Or, le moment où il se situe, c'est le moment où la politique n'existe plus. Alors, j'allais dire, oui, ce sont des sortes de révolutionnaires ou de putschistes, peu importe le nom qu'on leur donne, mais en fait, ils n'ont déjà quasiment plus d'ennemis. Le monde s'est déjà dissous. Et ça, Verland le sait, par contre. C'est pour ça qu'il ne marche pas dans la combine. Est-ce que le salut du monde, je reviens avec ça, passe par sa destruction dans le roman? Parce que la dernière phrase, je ne la citerai pas, mais elle se termine sur de belles appréhensions, n'est-ce pas? ça risque d'être rigolo, mais en même temps, malgré tout, je pense que ma conversion au christianisme a été assez radicale là-dessus. Peut-être que j'aurais été, bizarrement, j'aurais peut-être été moins noir avant le baptême et plus pessimiste. Je sais pas si les gens vont comprendre, mais c'est comme ça, je pense que c'est un roman extrêmement noir, mais au bout du compte, la lumière, oui, alors, la question que vous posiez, c'était, d'abord, je crois pas aux solutions, j'allais dire, je crois pas aux solutions, c'est pas quelque chose, je crois aux questions qui constamment amènent d'autres questions, c'est l'histoire de l'homme, c'est comme ça, alors, l'ultime solution, je la connais, pour nous tous, je parle même, mais je ne suis pas un auteur qui a encore le cran, j'allais dire, de s'attaquer à ça. Donc, pour le moment, je vois juste la chute s'accélérer, et je vois dans Verland une métaphore, peut-être, mais en même temps, pas tant que ça, parce que je crois toujours que c'est les singularités qui font obstacle à la destruction, précisément. Donc je pense pas que... Oui, le mal s'autodétruit, mais pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est sa nature. Puisqu'il détruit tout. Donc il se détruit lui-même. C'est, on va dire, peut-être le stade terminal.
Ça peut être le stade initial, peu importe, mais voilà quoi. Vous venez de parler des singularités, de l'importance des singularités. Pourtant, la figure de la gémellité est aussi très récurrente dans votre œuvre. Comment expliquez-vous ça? Eh, c'est une bonne question, comme disent les politiciens, mais... parce que justement, la gémellité me permettait d'aborder le problème de la dualité et en même temps de la faire dévier. Parce que il se trouve que depuis très longtemps, je dois dire, une de mes bases philosophiques, c'est effectivement l'anti-aristotélicisme. Je crois à la logique du tiers inclus, à des choses comme ça. Le problème posé par la gémelléité, c'est aussi bien dans Babylon Babies que dans d'autres romans, c'est comment je pouvais faire intervenir le tiers inclus. Dans Babylon Babies, c'est le fait que elles ne sont pas, entre guillemets, les filles de leur mère, porteuses. Donc, j'introduisais une déviance. Je sais, par exemple, que James Flint, un auteur britannique qui a écrit Habitus, enfin, je sais, oui, parce que je l'ai lu, enfin, lui a décrit des mutations dans lequel il y avait une troisième chaîne. Il n'avait peut-être pas les références chrétiennes, mais je me souviens que c'était après la publication de Babylon Babies. Je me dis, tiens, quelqu'un qui s'intéresse aussi au fait que la dualité peut-être nous indique juste quelque chose. Que la gémellité, c'est précisément comme... une incomplétude aussi. Moi, les fillettes Zorn, elles sont pas complètement, je vais les développer en plus, mais elles sont pas complètement surpuissantes. Elles sont pas Dieu. Elles sont pas omniscientes et omnipotentes. Elles ont leur zone de fracture. Et j'ai montré en quoi elles participent de la Trinité, par exemple. Ça, c'est vrai. Du coup, est-ce que cette polarité qui appelle son troisième terme, voilà, permettrait, enfin serait dans le roman une figuration à un autre niveau de la réversibilité mestrienne, c'est-à-dire que on la voit de différentes façons. Bon, de Maistre, on n'a pas rappelé globalement que la mort des justes rachète les coupables, ouais. Mais on a aussi des figures d'inclusion réciproque très fréquentes dans Métacortex. Le cube inclut le monde, mais évidemment le monde inclut le cube, la carte inclut le territoire et vice-versa, la bibliothèque, le livre inclut le monde et vice-versa. La réversibilité s'inscrit aussi de cette manière-là. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je réfléchis un peu à comment répondre à ça. C'est-à-dire que, oui, effectivement, Aristote m'a toujours posé un problème parce que, déjà, bon, dès le départ, mais il se trouve que depuis que j'ai lu Denis le pseudo-aéropagite qui dit « Tout principe contient son principe contraire », je peux plus croire en la dialectique. Je peux plus croire en dualisme. J'y arrive plus. J'essaie de faire des efforts, mais ça ne marche pas. Donc, j'avais déjà, on va dire, on va appeler ça des intuitions. Mais là, honnêtement, bizarrement, c'est même pas par Kozipski, par exemple, ou Van Vogt. Mais là, bizarrement, la certitude ne me vient pas d'un scientifique. Elle me vient d'un, on va appeler ça d'un théologien patristique. Du début du christianisme. Parce que, bon, là, je cite la phrase, mais il y a tout un développement extrêmement, pointu, qui précisément met en question toute la logique, enfin, une grosse base de la logique aristotélicienne qui, malgré tout, je pense, a abouti au positivisme. Donc là, soudainement, je me trouve devant quelqu'un qui pense différemment et qui pense ça, non pas même de manière logique ou scientifique, mais de manière, on va dire, théologique. Alors, bon, j'allais dire, oui, d'une certaine manière, ça solidifie la certitude. Bon, de temps en temps, il faut quand même en avoir quelques-unes. Et si au moins je suis certain, enfin... ou à peu près que, précisément, le tiers inclus permet de comprendre la Trinité, et que
Il y a des choses dans la philosophie, on va dire occidentale, qui ont été perdues, qui ont fait que précisément un certain nombre de choses concernant la Trinité ne, je veux dire, n'ont plus été comprises ou n'ont plus été admises même, voire, enfin, pire. Je sais pas. Je me dis, tiens, peut-être qu'il y a des racines. Sur le plan théologique, c'est clair que le tiers exclu, c'est le Saint-Esprit. Mais il est inclus. Oui, dans mais les il est trois exclu dans le, par le monde. Plus, ah. Plus peut-être que les deux autres. Alors oui, exclu par le monde, ça on est d'accord. C'est mais ça, voilà. Mais peut-être que cette démarche-là pourra. Moi précisément, le Saint-Esprit est précisément la figure emblématique du tiers inclus. C'est clair, quoi. Mmh. C'est parce que. Il permet justement à cette... Et puis le christianisme, c'est en fait, peut-être instinctivement, hein, parce que, enfin instinctivement, intuitivement, enfin peu importe, c'est tout de suite différencié du manichéisme, de tous les dualismes qu'il y avait à l'époque. Pourquoi? Parce que même, j'allais dire, si c'était pas vraiment articulé, on va dire, il y avait quand même le sentiment que tous ces trucs bien, mal, noir, blanc, etc., attends... C'est peut-être pas obligatoirement si simple que ça. Et qu'effectivement, dans les textes, j'allais dire, je suis un peu, j'allais dire, je veux pas dire que je suis bébête, mais si tu veux, pour moi, la Genèse, c'est le départ. Donc, tu vois, vous voyez, c'est voilà quoi, d'une certaine manière, tout est dit, là aussi. Les conceptions, j'allais dire, les conceptions restrictives du texte de la Genèse n'aboutissent à rien. Mais par contre, quand on commence un petit peu à réfléchir à ce qui se passe vraiment dedans, on commence à comprendre que oui, il s'agit effectivement du récit de la création du monde. Il n'y a pas de problème. C'est... les premières, enfin, ne serait-ce que les premières phrases, que la lumière soit, bon ben voilà quoi, aujourd'hui l'univers est baigné dans un rayonnement à 3 degrés, à 3 degrés Kelvin, qui est ce qui reste de l'explosion initiale du Big Bang, qui est quoi? La première source de lumière observable qu'on a. Donc voilà, c'est aussi le métier d'un romancier de science-fiction, je pense, que de remettre peut-être à ce niveau-là, les pendules à l'heure. C'est-à-dire que là aussi, je vais peut-être un peu loin pour certains, mais je pense que la science est devenue autre chose. La science est devenue une techno-science, enfin une techno-mécanique, à partir du moment où elle s'est découplée de la foi. Themselves. Shoot their forget.
Resdantec, pouvez-nous nous parler de la vision que vous avez du rôle d'un policier? Ma vision correspond peut-être pas exactement à la réalité du métier, mais en même temps, elle est quand même basée dessus. Le policier, j'allais dire aujourd'hui, n'a pas peut-être une très bonne image, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'ailleurs son rôle social en tant que tel, que peut-être le rôle plus secret, d'une certaine manière, même à ses propres yeux, qu'il peut revêtir au sein de cette société. Comme je crois, à un moment donné, je le fais dire par Verlaine plusieurs fois, il n'est pas vraiment le gardien de la société. Il protège les personnes de cette société. En tout cas, c'est la position de Verlaine. Je pense que ça doit être la position de quelques flics encore. C'est probable. Aussi bien ici qu'ailleurs. Je pense à Ciudad Juarez, par exemple. C'est-à-dire que un flic, c'est évidemment c'est l'homme de la police, dans tous les sens du terme, encore une fois. C'est aussi, bizarrement, peut-être, avec quelques autres figures, j'allais dire, la dernière figure de la politique. Précisément parce que il exprime à la fois le fait que, comme disait Carl Smith, toute politique est impartiale, et le fait qu'il est aussi un agent de la justice. Deux concepts, j'allais dire, qui sont en voie totale de déperdition. Donc, oui, encore une fois, ça fait que souvent mes flics sont, quand j'ai utilisé ce personnage, sont un peu des derniers flics, sont un peu des, à la fois des, j'allais dire des dinosaures, des sortes de, excusez-moi, de, en fait le personnage du policier, c'est qu'il se heurte concrètement à tous les jours à diverses figures du mal. C'est oui. Lui qui se les prend en pleine gueule à chaque minute, à chaque instant. C'est pas le citoyen ordinaire qui lui va être confronté à la présence du mal, évidemment. Mais le policier... Mais pire que ça, c'était un peu les mots que je cherchais, c'est que non seulement il est confronté à toutes les figures du mal, mais il est confronté à toutes les figures du bien, entre guillemets. C'est qu'il est confronté à toutes les figures de la bien-pensance, on va dire, ou de la bien-séance, de la bien-vivance, appelons ça comme on veut, qui sont en fait des masques, des masques de parade, des simulacres qui camouflent la réalité absolument abominable de la société dans laquelle on vit, qui n'est effectivement que la poursuite de la Seconde Guerre mondiale par d'autres moyens, je dirais. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là qu'un flic comme Verlaine cherche la vérité au détriment de la société? Oui, absolument. Oui, parce que la vérité n'épargne rien. Et j'allais dire en particulier pas les sociétés. En même temps, Verlaine apparaît quand même correspondre à la définition du policier, ou en tout cas du roman policier, oui, que donnait Chesterton, dans le sens que Chesterton, le policier, est le dernier rempart de la civilisation contre la barbarie. C'est le dernier qui tient devant tous les visages du crime, tous les visages du mal. Et Verlaine est le dernier, c'est précisément. Ça. C'est ça, c'est ce vers quoi le... Enfin, c'est ce sur quoi, on va dire, le roman se termine. Même s'il y a aussi une transfiguration, on va dire, mystique et corporelle, mais ça, peu importe. Le fait est qu'effectivement, il devient... Il devient le veilleur. Il devient celui qui va devenir, d'une certaine manière, l'Axis Mundi.
peut-être pas en tant que personne, mais en tant que méta-personne. En lien avec cette figure du policier, quelle est votre vision du rôle de l'écrivain par rapport à son univers? Je veux juste rappeler deux conceptions d'auteurs importants. Dante de Lillo, pour qui l'écrivain est une autre figure du terroriste et de l'assassin. Elroy, chez qui la figure de l'écrivain prend la forme du voyeur, du mateur, et en même temps de la taupe, de l'infiltré. Quelle est votre vision de l'écrivain? Je dois dire que je me sens à l'aise dans les deux. J'ai toujours considéré l'écriture comme une forme d'espionnage. D'ailleurs, je considère l'art, d'une certaine manière, comme une forme d'espionnage. Donc j'aime bien la comparaison que fait Elroy avec la taupe, l'infiltré, exfiltré, transfuge en même temps peut-être, je ne sais pas. En même temps, ce que dit Don Lillo sur la figure de l'assassin et du terroriste, oui. Un écrivain, excusez-moi, mais un écrivain qui, d'une certaine manière, ne s'inscrit pas dans la guerre en cours, qui est en fait la guerre en cours depuis le début de l'humanité. Même, j'allais dire, ma Seconde Guerre mondiale qui ne s'est jamais arrêtée, et peut-être elle-même une fractale. Pour Elroy, il y a effectivement le fait que peut-être, je dis bien peut-être, l'obstacle auquel il est confronté, c'est précisément peut-être un nihilisme fondamental, mais qui n'est pas, qui est celui d'un auteur qui a pris décision, en fait. De porter l'Amérique sur ses épaules. Donc bon, évidemment, j'allais dire son diagnostic de base, grosso modo, l'Amérique n'a jamais été innocente, ne peut pas, enfin, est sans doute tout à fait véridique, j'allais dire, tout simplement parce qu'aucune civilisation n'est innocente. Pourquoi la civilisation américaine, j'allais dire, dérogerait à la règle? Alors, bon, évidemment, en tant qu'Américain, qui a en plus, je veux dire, vécu une époque, c'est certain, tout à fait particulière, je vois pas comment un autre fondamental aurait pu apparaître. Le problème, c'est que peut-être à cause de ça, peut-être à cause de ce manque de, non pas de relativisme, mais de remise en contexte, j'allais dire, historico-humain, c'est-à-dire qu'une civilisation innocente, mais ça n'existe pas. Toute civilisation est bâtie sur un crime. C'est-à-dire, Freud le savait déjà, c'est peut-être une des rares choses que Freud aura vraiment découvert. Et puis, surtout, tous les mythes fondateurs des civilisations racontent grosso modo la même histoire. Ça va du Mahabharata hindou à Romus et Romulus, enfin, il faut arrêter. Donc, peut-être que là, il y a effectivement, avec sa focalisation, peut-être sur les, on va dire, les années 60, 70, qui sont, je le répète, pivotales probablement pour l'histoire américaine. Bon, il y a peut-être les limites d'un auteur, mais en même temps, ces limites se situent un tel niveau par rapport aux autres que bon, on peut les admettre, quoi. Je veux dire, en ce qui me concerne. Est-ce que les limites de Elroy découleraient pas justement du fait qu'il a pris au sérieux cette image que l'Amérique avait d'elle-même à cette époque-là, après la Deuxième Guerre mondiale, d'être innocente? Et il ne fallait pas prendre ça au sérieux. Et lui l'a fait pour le démonter. Ah, c'est une question qui se pose. En même temps, étrangement, l'Amérique,
bon, peut-être juste après-guerre encore, et j'allais dire sur le mouvement de la victoire, si vous voulez. Mais bon, les années 60, c'est jamais que 15 ans après 1945. Les années 60, c'est déjà le début de la... Comment dirais-je ? De l'auto-culpabilisation de l'Amérique aussi. D'ailleurs, bon, c'était vrai dans tout l'Occident, mais l'Amérique étant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le point crucial de l'Occident à ce moment-là, il y a eu à la fois, bizarrement, c'est très complexe à cause de ça, l'histoire américaine, il y avait à la fois la fierté d'être américain, mais le backlash de la guerre du Vietnam, le fait que, étrangement, c'est ce que je pense, peu importe, enfin, je pense que les Américains étaient du bon côté, mais avec les mauvais moyens, inversement pour les communistes. Tout ça a complètement, j'allais dire, créé un désordre mental, en fait, collectif, qui a aussi produit, qui a peut-être été en même temps aussi la production de ces phénomènes de tueurs en série. C'est-à-dire de personnes dans le... Qu'est-ce qu'un tueur en série ? Elroy a peut-être été le premier écrivain de fiction à réellement circonscrire le problème. Il faut bien le dire. Enfin, je dis peut-être, mais il me semble. C'est-à-dire, peut-être sans le dire explicitement, mais ce qu'on ressent à la lecture du Dahlia Noir ou d'autres, d'un tueur sur la route ou d'autres choses, c'est quoi ? C'est que soudainement, une civilisation ou un monde, bon, qui perd tout instinct d'autorité, qui perd tout repère de souveraineté, et bien soudainement, des petits rois apparaissent. Il n'y a plus de royaume, mais des petits rois apparaissent. Et ces petits rois, oui, ben, il faut qu'ils dominent les autres êtres humains, il faut que des sphères, des espaces s'ouvrent pour ces pathologies, qui auparavant étaient probablement existantes, je pense à Gilles Doré, mais qui étaient quand même probablement, je vais dire, des déviances très, très localisées, très dans le temps et dans l'espace. Là, on est face à une massification. Et depuis les années 60. Bon, Elroy a quand même été le type qui a non seulement mis le poids sur le problème, mais on a fait des super fictions. Bon. Après, bon, on peut toujours discuter de tout un tas d'aspects de son œuvre, etc. Mais, par exemple, en ce qui me concerne, le fait de me retrouver dans sa maison d'édition, enfin, en tout cas française, ça place la barre aussi. Et oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation cinématographique que Mathieu Kassovitz a fait de Babylon Baby? Vous pas obligé de répondre. Non. Mais en fait, je crois que c'est le problème du cinéma français. Enfin, c'est le problème de la France, en fait. C'est d'un côté, on veut être plus gros que le... Enfin, on veut être la... On est la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf, mais... D'un autre côté, On s'auto-circonscrit dans un certain cinéma aussi, soi-disant d'auteur, etc. Donc, en fait, bizarrement, il y a comme une fausse alternative. À la place du fait que le cinéma français, comme d'ailleurs je pense la France dans son ensemble, mais bref, aurait peut-être pu créer quelque chose qui aurait pu s'appeler le cinéma européen, au vrai sens du terme. La langue française étant encore peut-être, avec l'anglais certes, mais étant encore peut-être une langue possiblement, comme on dit ici, vernaculaire, en tout cas culturellement, elle avait encore cette potentialité. Ben non. Soit on fait du cinéma d'auteur franco-français, soit on essaye d'imiter en moins bien, mais alors en beaucoup moins bien,
ce que font même de vulgaires tâcherons d'Hollywood. Pourquoi? Où est le... Qu'est-ce qui s'est passé? Même à la limite, je dirais, alors que ce sont... C'est loin d'être mes cinéastes préférés, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé depuis Godard ou depuis... Depuis Melville. Ou depuis... Ah bon, ne parlons pas de Melville, mais enfin, même peut-être de... Je sais pas, moi... Enfin, les noms ne viennent pas, là, c'est dommage, mais... C'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais si, quand même, il y en a eu... Disons Alain Corneau. Même Corneau, oui. Pourquoi pas, oui. Effectivement. Oui. Qui n'a pas... Qui a été influencé et qui l'a ouvertement dit, comme certains auteurs de la série noire, qui s'est laissé influencer par le cinéma américain, mais qui n'en a pas fait une copie. Non. C'est ça le truc. Alors, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cinéma de Kassovitz, mais depuis un certain temps, en tout cas avec Babylon A.D., comme ils l'ont surnommé, le gros problème, en fait, c'est que, je le lui dis franchement, pourquoi avoir dépensé tant d'argent pour acheter les droits de Babylon Babies pour n'en garder que 3 lignes et demie? Moi, j'aurais pas attaqué en plagiat. Hein. Est-ce que vous feriez un constat à peu près similaire concernant le champ littéraire français? Comment, excuse? Est-ce que vous feriez un constat à peu près similaire au sujet du champ littéraire français, éditorial et littéraire? Alors, littéraire, on va dire, le problème est vite réglé en ce qui me concerne. Je pense qu'il n'y a pas d'écrivain français. Enfin... Non, il n'y a plus d'écrivain français, il y a... Bon, il en reste peut-être quelques-uns, faut voir. Mais bon, quand vous voyez des types se vanter à la télé d'avoir écrit un livre en 29 heures, c'est-à-dire, c'est quand même plus fort que Martine Aubry, hein. Là, quand même, bravo, hein. Signal à l'auteur. Je sais pas, récemment, il semblerait qu'il y ait des gens qui fassent paraître des bouquins sur le mérite du couscous séfarade. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a des types aussi qui pensent que le 11 septembre, c'est une idée, qu'il y aurait comme une sorte de copyright. Eux, ils n'ont pas compris que c'était les idées, par exemple, qui étaient des 11 septembre. Non, je pense que c'est à ce niveau-là, on va éviter de tirer sur l'ambulance et même sur le corbillard, ça se fait pas. En ce qui concerne l'édition, bizarrement, c'est plus complexe. On est dans le monde du vrai capitalisme, au moins. Je veux dire, c'est au moins une réalité, parce que le monde de la littérature française, monde de pur illusionniste. Non, le monde de l'édition est partagé entre les voyous et les faiseurs. À l'exception, alors c'est toujours pareil, de quelques dynamiteros, qui souvent ont fait leur temps, malheureusement. Alors je pense à quelqu'un comme Raphaël Sorin, qui bizarrement... a été un éditeur que j'ai toujours raté. On s'est croisé plusieurs fois. Ça n'a jamais été le bon timing. Mais bon, je sais qu'une relation, c'était... Parce que... Voilà, quoi. Il faut bien le dire. Il y a des voyous, il y a des faiseurs. Et puis, donc, il y a les vrais éditeurs qui sont des gens qui s'intéressent avant tout à la littérature. Sorin fait partie de cette vieille école... disons-le, qui aujourd'hui date des années 60 quand même, hein, d'accord. Un type qui a créé les éditions Champs Libres, qui ont quand même publié les Situs, entre autres choses, les situationnistes, mais aussi par Chute Libre, les grands auteurs de l'ASF américaine des années 70, que ce soit Sturgeon, Dick, enfin, peu importe, Moorcock, qui a quand même édité Houellebecq, et qui aujourd'hui
Bah, j'allais dire, m'a fait part de sa stupéfaction, à laquelle il va répondre, évidemment, face un peu à la chape de silence qui s'est abattue sur mon roman dans la critique française au moment de sa sortie. Visiblement, les critiques français ont des romans beaucoup plus importants à traiter. Et je trouve que ça n'a pas l'air d'être trop l'avis de Raphaël Sorin. Donc il va le faire connaître, son avis. Parce que je le connais un peu, quand il a un avis à faire connaître, il le fait connaître. Surtout vis-à-vis de ses collègues, soi-disant, et vis-à-vis de la classe journalistique. Et on ne leur demande pas de faire obligatoirement des dithyrambes. Mais comment ça se fait, là? C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Comment ça se fait que le dernier roman de Dany Laferrière a un long papier dans une revue française qui a plus de 100 ans, que je ne nommerai pas, et qu'il n'y a pas un Dantec qui est recensé, dont Métacortex, qui est passé sous silence? C'est des questions intéressantes, en tout cas. on peut les soulever. Bon, il faut bien admettre que, si tu veux, je ne suis pas un catholique tranquille non plus. Des gens qui sont plus, enfin, je suis pas vraiment un humaniste au sens, en tout cas, non, attention, non, mais au sens qu'a pris le terme à partir des Lumières, c'est ça aussi qu'il faut voir. Moi, je suis un humaniste chrétien, si tu veux, je crois en l'homme intégral, je crois en l'homme sauvé par le Christ, je crois pas, je crois pas en l'homme, oui, enfin, du supermarché. Du supermarché global, ça c'est un fait, mais oui, bon, je sais que j'ai eu un papier plutôt intéressant à une époque dans Catholica, qui est une revue de référence pour moi. J'étais extrêmement, bon, oh, je peux même le dire, j'étais fier d'avoir été référencé par cette revue. Maintenant que d'autres revues catholiques, puisque je pense que c'est l'allusion à laquelle tu fais, que d'autres vues catholiques soient plus timides ou, j'allais dire, aient plus de problèmes avec mon christianisme un peu hétérodoxe, je le reconnais. Mais comme disait Nicolas Gomez-Davila, le dogme s'établit constamment, s'établit sur une tension constante entre l'hérésie et l'orthodoxie. Et en fait, l'histoire de l'Église, c'est quand même l'histoire de ce dialogue permanent. Évidemment, avec le recentrage, mais c'est l'histoire d'un dialogue permanent entre les hétérodoxies et l'orthodoxie. Donc bon, j'admets que peut-être plus déviant, entre guillemets, qu'un catholique complètement dans la norme, mais je considère être quand même catholique. Donc, je pose un problème. En fait, comme certains auteurs que tu connais, je pose plus de problèmes aux catholiques qu'aux athées. Catholique dans la norme, ça s'appelle un saint. Ah, oui, dans ce sens-là, on est d'accord. Oui. Maurice Dantec, on pourrait conclure cet entretien avec deux questions. Questions qu'on vous a peut-être déjà posées, je n'en sais trop rien. La première, c'est quel est votre saint préféré ou le saint que vous aimez le plus et pourquoi? Et la deuxième, c'est lequel de vos livres vous préférez ou lequel vous aimez le mieux et pourquoi? Le livre a toujours été une question terrible pour moi, parce que je sais que si un jour une catastrophe devait, enfin, quelle qu'elle soit, devait survenir, je crois que je serais prêt à me sacrifier pour ma bibliothèque. Donc j'ai vraiment du mal à... J'aurais vraiment du mal à extirper un seul volume. Je parle pas en général, je parle des vôtres. Ah, pardon. Oui. Je parle des vôtres. Ah, Métacortex. Sans aucun doute. Pourquoi? Parce que pour moi, il est... Ça n'a pas été toujours le cas, d'ailleurs, mais je pense que c'est l'aboutissement de 17 ans de recherche. La recherche à tous égards. Oui, absolument, à tous égards, oui, à tout niveau. Aussi bien sur le plan romanesque, stylistique, connaissance pure,
Oui, théologie, philosophie, narration, rapport entre le sens et la forme, enfin, tout le travail d'un écrivain, quoi. Alors maintenant, le saint. Je serais tenté de prendre une sainte et un saint. Parce que je prendrais Sainte Thérèse d'Avila, parce qu'elle m'a beaucoup appris, y compris pour Métacortex. Là aussi, excusez-moi, je fais une digression. Mais les cercles concentriques dans l'expérience de Sainte Thérèse sont vécus jusqu'à la chambre nuptiale avec le Christ. Alors, bon, on arrête, mais la lecture de Sainte Thérèse, enfin, quasi complète, il faut bien le dire, bon, m'a bouleversé. C'est l'évidence, aussi bien sur le plan émotif, mais plus que ça, parce que je suis peut-être plus un cérébral, malgré tout, sur le plan de la révélation, appelons-la philosophique. Donc, Sainte Thérèse d'Avila. Alors, Saint Jean, parce que, bon, je peux dire que ça. Merci. Just can play alone.